Tiens, puisqu'on parle des femmes, voilà. Vous avez vu que Aya Nakamura, c'est la RN du R&B, il n'écoute que ça en vacances, il n'arrête pas. Elle a été victime d'un chantage à la sextape. Oui. On a demandé une rançon de 250 000 euros pour lui rendre sa sextape. Donc, oui. Et c'est toujours les femmes qui sont victimes de ce genre de chantage. Nous, on s'en fout, on n'a pas de pudeur. Donc, et le prix est bien sûr en fonction de la notoriété de la personne. Bah, oui. Une sextape de Beyoncé, j'imagine, ça doit être dans les 20 millions d'euros. Ça doit être, alors qu'une sextape de Brigitte Fontaine... Tu vois, sur les sites spécialisés, oui, tu peux en avoir une à 12,40 €. Il y a d'autres belles affaires. J'ai vu une sextape de Marielle Guachen. 4,50 €. On touche pas à notre Marielle. Attention. Vous en avez parlé cette semaine. Ben oui, c'est pour on ça. On l'adore. Alors voilà, ça vaut le coup. Alors si vous avez un cadeau à faire, si vous aimez le ski alpin dans les années 60, oui, pensez à la sextape de Marielle Guachen. On se renseignera. On va taper dans le Newport quand même.